Salut à toi jeune Spartiate, je suis là pour te parler d'une nouveauté de Zenzen sur mon site Decimus.gg, c'est la Decimus Academy. Voilà, il y en a beaucoup qui attendent de moi que je vous aide à évoluer sur League of Legends, je le fais de par mes parties, mais aujourd'hui j'ai créé un système rien que pour vous. Comme vous le savez, ça fait plusieurs mois que j'ai créé l'univers Decimus. Si vous êtes en retard, je vous invite à aller checker dans le site en dessous. Je regroupe des joueurs qui choisissent un clan, une faction. Vous avez les Furies, les Rôdeurs et les Oracles. Nous avons différentes activités rien que pour vous, que ce soit des tournois, que ce soit de la pédagogie. Et maintenant, des cours perso que vous avez sur Discord, en individuel via des coachs que vous pouvez contacter ou tout simplement via des cours collectifs comme sous forme d'amphithéâtre. Et grâce à ça, vous allez pouvoir choisir le guide que vous voulez sur le site internet. Ces cours-là sont faits sur Discord en temps direct, et pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'y aller, vous pouvez y accéder tout simplement sous forme de replay. Ces vidéos là sont sous forme de timeline. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires et skip les moments que vous n'avez pas besoin de regarder. Vous allez avoir des champions en individuel, vous allez avoir de la pédagogie globale et vous allez avoir des coachs qui seront là rien que pour vous. Certains ont coaché de la division 2, des joueurs compétitifs. Vous allez pouvoir découvrir League of Legends dans son entièreté car des OTP, des joueurs qui jouent qu'un seul champion, viendront vous dévoiler leurs secrets sur leur meilleur champion. Comment accéder à cette fonctionnalité? Il faut être sub à ma chaîne Twitch, que ce soit un sub prime, un sub acheté ou tout simplement un sub offert. Donc si vous passez de temps en temps sur ma chaîne Twitch, il y a peut-être un monde où vous allez recevoir un sub offert qui vous permettra d'accéder à tout ça. Pour ce qui est du guide, je vous invite à aller sur le site internet. En bas à droite, il y a un petit cahier tout expliqué sur comment marche l'univers Decimus, comment s'inscrire. Il faut bien évidemment ce log sur l'écrou qui est en haut à droite du site. Et une fois que c'est fait et que vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, libre à vous de profiter de cet ajout. Encore une fois, c'est un truc de payant, c'est pas obligatoire, car certains d'entre vous subent déjà au quotidien à ma chaîne, ça me permet de vivre, de créer du contenu, et c'est un ajout que je leur propose pour leur donner du contenu supplémentaire. Alors merci à tous ceux qui m'aident dans ce projet, je remercie aussi les coachs qui viennent au fur et à mesure pour donner leur savoir, et pour ceux qui sont intéressés, sachez qu'il y a 2 cours par semaine, donc ne loupez pas ça. D'ailleurs, pensez à activer la cloche sur le Twitter Decimus-GG, car c'est là que partira l'annonce pour savoir s'il y a une masterclass prévue dans la semaine. Je vous embête pas plus avec ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oh le lobby! Oh le lobby! Ah le lobby mon frère, oui! Oh, les gars, je suis juste un streamer, joueur de Chaco, les gars, laissez-moi tranquille! Oh, ma botlane est challenger! Ah mais je joue avec Upset MDR, j'avais pas vu! Ok! Ok, ok! Allez, ce soir c'est tout cassé les gars, c'est tout cassé. Bienvenue dans la faille de l'avocat. Ok, ok, ça valait le coup de dodge la game. Les gars là. On... Attends, c'est. Ah mais c'est Targamas, j'avais pas vu. MDR. Ok, ok. J'ai la cassé LEC au bot les gars. My bad. Bon les gars, ce soir c'est tout bleu là. Des sbires sont apparus. Tiens, ils ont réussi à tag ensemble, c'est une folie quand même. Tiens, j'ai pas envie de faire mauvaise impression là en tant que CEO là, CEO de structure LFL. Au moins que je perde mais que j'ai fait des trucs, tu vois, pas en mode j'ai rundown les joueurs là. Sinon mentalement ça va être dur pour la suite du split là, si je les abats même en solo queue. En vrai, je pense qu'ils sont en vocal là. Alors, plus de ghosts sur Jinx.
Max Lore, c'est un bon jungler et en plus de ça, il joue Lee Sin. On va partir du principe que Lee Sin est top, mais je préfère pas ping parce que si c'est pas vrai. N'y a pas la prio. Et c'est parti. J'ai juste envie de protéger un peu la bot lane. Bot, il y a un peu rien à faire, je vais warder le Raptor avant de gank mid. Je perds le 2v2 en plus. Pas les dégâts. Je suis un peu faire un down là pour le Sylas, je perds mon Ignite. Dommage, ça me fait perdre un gros timing fort. La ward me permet de savoir si Lee Sin back ou pas. Du coup, là je suis au courant qu'il a back. Problème c'est que du coup je suis à l'opposé du bot side. Lee Sin lui va arriver bot, c'est très complexe. Bon là c'est la faute du Sylas mais je dois faire avec, hein, c'est pas grave. Hein. Là le problème c'est que si Lee Sin n'est pas mauvais, il a une gang bot ou il gang rapidement bot. Il m'a fait perdre une grosse tempo ici. Parce que du coup moi je veux jouer plus ou moins vers le bot side. Il est là c'est sûr. Là pour moi il attend quelque part là et il est bot là tu vois. J'ai envie de go vers le bot side quand même. Parce que je pourrais faire les grubs mais il a la prio mid. J'ai envie de mettre bien la bot lane. Je veux juste les covers pour les... Ouais. Alors pas mal d'HP ici. Je peux rien faire bot. Yo Gob, ça va ou quoi? Je peux envoyer un couteau là, mais est-ce qu'il y a assez de dégâts sur le couteau là? Merci Will. Lee Sin est là, je peux perdre quand même pas mal d'HP là. Il est top. Tellement dur parce que mon champion il peut pas vraiment dive tu vois. Un allié a été tué. On peut pas dive là. Tiens, je suis à rien de passer 6 et j'ai envie de mourir. Ça va être amusant. Perdre pas mal de ma jungle ici, mais ça libère pas mal la bot lane. Si j'arrive à back sans me faire cancel, je suis huge. Je suis huge de fou. Maintenant faut que je rush mes camps topside. Je peux pas forcément défendre. Jace qui fait une belle révélation. 36 avance au top, c'est très très cool.
Targa qui me suit pour les grubs. J'ai pas un gros timing fort là. Mais je pense que je vais essayer de négocier. Il en a pris qu'un. Si j'arrive à en avoir un déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas le même niveau, j'ai les mates qui m'aident et tout frère, j'ai jamais vu ça. On est où là? Je sais pas si vous imaginez la dinguerie là, pour vous c'est rien mais... No joke, c'est beaucoup. J'ai passé trop de temps en low master pour savoir que personne m'aide à faire un objectif. Là c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de camps à faire. Mais j'ai aussi beaucoup d'activités, du coup si je passe trop de temps en farm c'est compliqué. Je suis obligé de faire des choix. Est-ce que je skip, est-ce que je skip pas? Du coup je pars du principe que je vais skip les grubs, enfin les krugs, pour me rapprocher le plus vite de la bot lane. Parce qu'il y a un Drake aussi qui va être joué. Il y a un Drake en jeu, est-ce qu'on irait pas le jouer en vrai de vrai? Il est en train de recall, la bot lane à la prio. Moi pour moi ça se joue. Je prépare une box ici. Après est-ce qu'on peut pas dive tout simplement? Mois, let the go TDS et rush challenger. Oh, il est là. Moi, je... Bon, Zeri, ma condition de victoire. Beaucoup d'AP, je peux pas trop faire la différence. Cette tour upset, régale-toi, mange-la, croque-la même. Parfait, on fait claquer une air, tout ce qu'on voulait. Max,
Lord, frérot. Moi, c'est Maxime. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? T'es, je m'engasse pour rien, frère. J'ai bientôt 30 ans. Je vais bientôt faire un AVC à cause d'une solo, tu vois. Mange-toi les ces grubs. Liandry, là on va se permettre une petite folie les gars. Red buff into Krugs. Pas d'effectif sur la map, que de la ressource. Allez, on passe par le mid, comme ça on aide la bot lane. Attention ici. J'arrive. Je tag pour toi, je tag pour toi. Non, vous m'avez run down les gars. Oh, t'es con ou toi là? Pourquoi on me donne un stack? Eh ouais, moi je veux juste jouer mon dragonnet là. Oh, ça va vite ces games. Ouf. Avec une game comme ça, j'ai pas le choix. Merci Falcon. Après Mike, j'aurais pas dû prendre le cul de Lee Sin. Après lui, les 5 grubs de frérot, je te jure qu'il est ranta. Hein. C'est full ranta ça. Bon, normalement on perd le direct sur ça. Je récupère mes cambots. Allez, upset, tu te concentres, mon gâté, t'as toutes les ressources. Oh, il se passe quoi, là? Je reconnais ça, c'est du skip de camp, là. Je reconnais ce qui se passe ici. Gagnant du Twitch Rival 2024, mon frère! Il est là! CEO, streamer, animateur, je fais tout, frère! Merci Lydia pour le sub, merci Seiniz, merci Adix, merci Hunter, merci Niwok, merci Falcon! You. Les gars, on honore Targamas, on lui donne de la force pour la suite du split.